que moi, je ne peux pas commencer la matinée sans un bon café. Si vous me suivez sur Instagram, vous savez que ça, c'est ma sorte préférée. Donc, si jamais vous avez la machine Keurig, ben moi, c'est le breakfast blend que j'adore. Là, sérieusement, ça goûte exactement comme le café regular roast de chez Starbucks. Ou sinon, je prends le McCafé. Ça goûte exactement comme le café chez McDo. Et les matins où j'ai envie de plus de sucré, ben je prends le chocolat chaud cacao de chez Starbucks. Pour les réhausseurs de café, celui au mocha blanc, honnêtement, je l'aime pas tant que ça. Je le trouve un petit peu trop sucré. J'aime vraiment plus celui au caramel macchiato. Et sérieusement, là, depuis que j'ai découvert ça, là, c'est comme ça a révolutionné ma vie. Donc, on a Reggie qui vient de se réveiller. Alors, tu veux quoi comme breuvage ce matin? Café. Ok, donc leur griot est prêt. Ça sent tellement bon, c'est érable et cassonade. Et j'ai préparé leur petit pot de fruits. Donc quand ils vont se réveiller, ça va être ce qu'ils vont manger. Et après, je vais leur donner leur griot. Donc Cameron, c'est fraises, concombres avec des puffs et comment on appelle ça en fait? Des fondants au yogourt là. Il adore ça, c'est aux fraises. Et pour Riley, il y a une barre de céréales. Ça là, il peut pas s'en passer. Chaque matin, dès qu'il se réveille, il demande sa barre de céréales. Des bananes, fraises, carottes et raisins. Donc là, je vais faire leur lit. Ils ont terminé leur lit dans notre chambre. Donc, je vais préparer leur sac à couche. Je vais préparer aussi leurs vêtements qu'ils vont mettre aujourd'hui. Oh my god, regardez-moi cette satisfaction là. Je laissais tout le temps traîner leurs chaussettes. Là, j'ai pris le temps de toutes les ranger hier là. Oh, ça fait du bien quand j'ai ouvert, je me suis rappelée. Donc, dans ce bac là, c'est ceux de Cameron et ici, c'est ceux de Riley. Lit numéro 1 est fait. Lit numéro 2 est fait. Là, je suis pas sûre de la température. Là, ici, là, la température le matin, des fois, c'est frisquet. Donc, je pense que je vais amener leur manteau de printemps. Mais sinon, je vais leur mettre... Cameron va mettre sa veste en jeans. Puis, Riley va mettre son petit coude comme ça, là, si il fait pas trop froid. Mais je l'ai sorti au cas où. Reggie va les habiller tantôt ou moi. Donc, moi, je vais aller terminer de me préparer. Bon, on a Riley qui vient de se réveiller. Non, 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 Ray Ray. Bruh. Non, non, non. Riley, you say hi? Hi. Hey, you say good morning? Le temps de faire mes cheveux. On s'est levé super tôt, puis pourtant, je sais pas ce qui s'est passé. Je pense qu'on a trop relaxé. On va aller chercher quelque chose à manger au McDo ou quelque chose. Après ou avant, ça va dépendre. Parce que là, l'heure a passé juste trop vite ce matin. On a pris notre temps pour donner à manger aux enfants. Aller jouer à l'intérieur ici avec les jeux. Cameron est réveillé, bé. You come in with mommy? Yeah. Wow. Good family. Yay, you're gonna have so much fun. Let's go. Thank you.
big ball. A big ball. Bloody red. Red big ball. What color is this one, Riley? Orange. Orange ball. No, no, keep the ball over here. Cam, cam. Come on, you get to the top. Whoa. You want to make a house? House. Let's make a house. We need some brick to make a house. Go give me some brick. Come on, Cam. Il est beau cet exercice là. T'as vu ça, ta mère? Come on, go ahead. You can go up here. Go up here. Go up here. No. Yeah. Yep. Yes. No. C'est toi, Cameron. Cameron. Attends, on attend. Idriss, on attend. Oh, you're gonna do me a coffee, really? Can I have a coffee? Il y a même un petit bistrot, mais le bistrot il est fermé à cause de la COVID. Reggie, t'aurais aimé venir dans une place comme ça quand t'étais bébé? Non, parce que j'étais... T'as fait quoi? Bon, ça va faire une heure, ça fait combien de temps qu'on est là? Oh non, attends une minute. 9h40, ça fait juste 40 minutes. J'ai l'impression que c'est... Ça fait 3 jours. Je jure, c'est vrai que ça fait comme 1h30 là déjà. Ça fait juste 40 minutes. Ça se voit que... C'est pour les enfants, parce que nous autres, les parents, on va ça aller regarder courir là. Je vous jure, on est arrivé. Quand on est arrivé, Riley, il savait pas où donner de la tête. Il savait juste pas où donner de la tête. Nous, on est là relaxé. Je pense qu'on va rester dans cette pièce jusqu'à ce qu'on part. On dirait qu'il y a un effet. Tu trouves pas qu'il y a comme un effet sur les côtés? Tu trouves pas? Comme tu trouves pas que ça donne comme un effet comme un. Ouais, je comprends. Comme un mode. Comme un mode, c'est ça. Un plan comme ici. Comme si c'est genre. On s'est arrêté au Thai Express parce qu'on avait trop faim. Oh non. Ah, c'est fermé. They open at 11, boy. Je me disais, ben c'est pour... Ils ouvrent dans quelques minutes. Je sais, je vais te déposer puis je reviens. Bon, donc finalement, Reggie est parti. Il était reparti chercher le Thai Express parce qu'on avait vraiment envie d'en manger. Et on avait commandé du McDonald's pour Riley. Donc on a profité pour se prendre genre 2 smoothies. C'est ananas et lait de coco, mais c'est comme pina colada. Fraise banane. Reggie s'est pris ça. Du patsu. C'est tellement bon. Là, j'ai hésité longtemps. Moi, j'ai pris General Tao, mais au lieu du riz, je prends des nouilles. Ouh, you guys. Hein? Tu vas aller écouter la télé? Nous, on va aller déguster ça, là. Ça va être délicieux. Oh. Je vais montrer ton patsu. Ouh, c'est sûr que je vais lui voler quelques bouchées, comme toujours. 1 hour later. En train de faire dodo, comme vous pouvez voir. Donc, je vais vous faire un autre haul d'épicerie. D'ailleurs, la dernière fois, vous avez dit que vous avez adoré. Ah, puis je suis en train de manger une boule d'énergie là. Oh, vous avez été beaucoup sur Instagram là à me dire que vous l'avez essayé et que vous avez aimé. Je sais pas pourquoi est-ce qu'on focus. Ouais, vous étiez beaucoup qui avaient aimé ça là.
Donc, je vous dis, c'est bon, bon, bon. Donc, j'ai pris des biscuits Ritz, il n'en restait plus. Ça, c'est un must. Là, ça, c'est quelque chose qu'on achète vraiment tout le temps, tout le temps. De l'avoine Arabica Sonal, ça aussi, c'est quelque chose qu'on achète tout le temps. Les garçons adorent. J'achète toujours le Family Size parce que ça passe vite. Du bouillon de bœuf, j'adore celui-là parce que c'est avec vin rouge aussi et c'est vraiment un goût différent, surtout pour les ragoûts. Encore un bol de tacos. Du bœuf haché, justement, pour une soirée taco. Ici, on a deux sacs de saké crémeux carbonara. Ça, c'est un dépannage, là, sérieusement. Ça, puis le Kraft Dinner, les anises, là, c'est des dépannages, là. Moi, j'adore manger ça. Donc, quand j'ai faim puis que j'ai pas le temps de cuisiner quelque chose, un repas, une épice à taco. Mais ça, c'est pas pour les tacos. J'en ai déjà beaucoup, d'ailleurs. Je vais voir parce que je l'ai pris parce que j'avais pas envie de me lever. Je faisais la commande. Ah, c'est ça. J'en ai déjà beaucoup. J'avais pas vraiment de besoin. On était le soir puis je voulais pas me lever pour voir s'il y en avait. Alors, je l'ai juste pris. Mais j'en ai pris une chance. Donc, du maïs en grains. Comme vous pouvez voir, on adore le maïs. Là, il en reste plus. Fromage râpé. Ça aussi, c'est quelque chose qu'on commande tout le temps. Ça, c'est le bacon que moi j'utilise pour faire mes déjeuners. Donc, BLT et tout. C'est du bacon pré-cuit. Donc, c'est vraiment pas long à faire. Je vais juste le mettre dans le petit four puis ça va croustiller. C'est le bacon qu'ils utilisent habituellement dans les bistrots comme chez Starbucks. C'est ce genre de bacon qu'ils utilisent parce que j'ai travaillé dans beaucoup de cafés puis je sais les choses. Donc, ça m'a permis d'utiliser leurs trucs pour ma vie à la maison. Des œufs, du lait. D'habitude, on prend pas naturel, mais c'était le seul qu'il y avait. Puis, c'est écrit biologique. Des tacos, ça c'est nos préférés. Des bananes, tomates, des pommes de terre, de la merpoule encore. Ça c'est pour Cameron, comme vous savez déjà. On en a pris beaucoup. Du yogourt pour faire des parfaits. Des brocolis parce que je vais faire une soupe crème de brocolis tantôt. D'ailleurs, vous allez pouvoir voir ma recette. Ça c'est notre laitue préférée là. Je vous l'ai déjà montré plusieurs fois. Des fraises, ils sont en spécial en ce moment en plus. Donc je sais même pas pourquoi j'ai pris juste deux racks, mais c'est que ça, des fois ça expire vite. Donc je voulais juste au cas où là, mais j'aurais pu en congeler. De la salade César, ça c'est comme honnêtement lazy parce que je pourrais simplement prendre de la laitue, des croutons, parmesan et le faire moi-même. Mais ça c'est quand que j'ai pas le temps, ok? Et j'ajoute mes autres ingrédients, par exemple du maïs, des choses comme ça. Et croissant, ça c'est un must, toujours, toujours, on a toujours du croissant. Et voilà, alors je vais tout placer ça et après ça je vais commencer ma crème de brocoli. Hey, tu fais quoi? Je vais préparer une crème de brocoli. Oh, j'ai hâte. Les enfants dorment encore. Wow. Feels so good. Oh, puis tu fais dodo avec Mimi. Oh, il est belle. Bon, pour bien terminer, le week-end, on a décidé d'aller prendre une marche. Encore? Mais oui! Bientôt, Yazi. On sort, peu importe si ce soit en auto ou une marche. 3 minutes, là, il dort. Peu importe s'il venait de faire une sieste de 3 heures, peu importe. Trop beau ce parc là, il y a ce module là, il y a un deuxième module et un troisième. Et moi j'aime les parcs que c'est pas du sable, que c'est comme c'est de la roche là, ben pas de la roche en fait, du bois. Comme ça les enfants c'est moins salissant pour nous. T'es prêt? Mais? Let's go! Amuse-toi. Wow, même où il est. Oui, red slide. Donc on est de retour.
c'est l'heure du bain, comme vous pouvez le voir. Donc Reggie va s'occuper de la routine des bains du soir et tout. Moi, j'allais préparer les soupers. Donc je m'étais dit que j'allais faire une crème de brocoli pour les garçons. Et nous, ben Reggie avait le choix entre du saumon, du poulet ou des tacos. Ou du bouillon aussi, parce que sa mère nous avait fait du bouillon, il en restait encore. Il a décidé des tacos. Je vous jure, on aime trop manger ça. J'étais tellement contente qu'il a choisi ça. Premièrement, parce que c'est pas long à faire. Et deuxièmement, c'est juste trop bon. On en mange à chaque semaine, que ce soit des quesadillas, des tacos, des fajitas, des burritos. Depuis que c'est l'épice mexicaine, là. We love it. Really? Say I'm not fat. Arrête! Tes mecs ne peuvent pas rester comme... Donc, je vais aller commencer à souper. Pour les garçons, je vais faire une crème de brocoli, puis nous, on aura des tacos comme tu as choisi. Alors, j'y vais. Écoutez, c'est Huggies là, c'est Wipes là. Allez pas acheter ça, c'est les pires lingettes au monde là. Ça va être méchant pour ceux qui les utilisent, ils sont extrêmement sèches. C'est écrit sensible, c'est sec. Puis moi, mais ça fait que mes garçons ont toujours des rats. Mais Reggie, c'est genre le papa qui va oublier en fait. On lui dit, achète pas ceux-là, mais il va les prendre quand même. Mais là, j'ai trouvé une solution en fait. Qu'est-ce que je fais? C'est qu'on a ce dispenser là qu'on peut mettre les wipes dedans. On met de l'eau, donc ça les hydrate extrêmement pour mettre un petit liquide genre un peu savonné pour donner l'effet plus nettoyant aussi là. Mais sinon là, ah non. Thank you.
Bon, j'ai terminé le souper. Donc, on va souper vraiment tard, honnêtement, là. J'allais faire un riz, mais oublie ça. J'ai faim, je suis fatiguée. On va aller manger ça. On va boire. Et je pense qu'on a des cheesecakes, de toute façon. On avait fait un cheesecake hier, donc... Merci beaucoup d'avoir écouté ces vidéos. Je vous aime trop. Bisous.